Descendants a été l'énorme carton Disney de l'année 2015. Ohé, ohé, hey. Et aujourd'hui... Je suis là. Disney Channel fait revenir les enfants de méchants dans Descendants 2. C'est comme si on n'était jamais parti. Partout, les fans attendaient cette suite avec une méchante impatience. Mais il y a une fan en particulier pour qui le film est encore plus spécial. Salut, je m'appelle Anna et j'ai adoré Descendants, tout comme vous. Anna Cascart a décroché le rôle de sa vie. C'est un rêve qui se réalise, je joue Java dans Descendants 2. T'imagines pas combien ça me rend heureuse. Et maintenant, elle va vous emmener en exclusivité dans les coulisses du tournage. Bienvenue dans les coulisses Descendants 2. Avec les interviews des acteurs. Là j'ai crié, j'en pouvais plus, j'étais trop contente. T'es génial. Un accès illimité sur les décors avec les acteurs. Ouais, ok, bon pote, comme tu veux. C'est une super nouvelle. Et le réalisateur Kenny Ortega. Merveilleux. Salut. Prise 2. Génial. Wouh. Et des images en avant-première du nouveau film. Voilà. Vous allez adorer. On va y arriver. Parce qu'on est pourris. Jusqu'à la moelle. Déjà 2 ans que des légions d'enfants sont fans des enfants de méchants. Et de l'univers de Descendants. C'est sûrement de la magie. Comme des milliers d'autres, Anna Cascart, 13 ans, a succombé dès le départ. La première fois que j'ai vu Descendants, j'ai adoré. Je l'ai regardé le soir où il est sorti et quand je me suis réveillée, le lendemain, je l'ai encore regardé. J'en avais jamais marre. J'ai commencé à jouer la comédie vers 6 ans. J'avais jamais passé d'audition pour Disney avant. J'étais ultra stressée le jour du casting parce que c'était le plus important de ma vie. J'ai lu 2 scènes du scénario dans lesquelles j'étais et j'ai vu que c'était Evie qui me donnait la réplique. J'étais trop contente, rien qu'à l'idée d'imaginer que la vraie Sophia Kersten serait avec moi, donc c'était vraiment cool. Quelques semaines après, on m'a appelée pour me dire que j'avais le rôle. J'étais genre... Ok. J'étais une fan comme tous les autres. Et aujourd'hui, je suis dans le film. C'est un grand rêve qui se réalise. Bonjour. Maintenant que j'ai le rôle de mes rêves... Anna, on t'attend sur le plateau. Je suis prête à aller tourner avec tous mes héros. Bienvenue sur le tournage de Descendants 2. Descendants 2. Et mes camarades sont tout aussi contents d'être de retour. Ça fait quoi de retrouver tous les copains de l'année dernière? En fait, c'est comme une réunion de famille. Ouais. On est tous frères et sœurs. Revenir dans la peau de nos personnages et retourner sur l'île, c'est comme... comme rentrer à la maison. On a fait la connaissance de nos héros dans Descendants. They say I'm bad. Mal, Evie, Jay et Carlos sont les enfants des méchants Disney, reclus sur l'île de l'oubli. Ils sont méchants et vilains, et ça leur convient. Ma petite fille devient vilaine. Mais le prince les invite sur l'autre rive. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. J'en ai peut-être fait un peu trop. Un peu plus que trop même. À la rencontre de tous les gens. On connaît, c'est classique. Et ils en apprennent beaucoup. J'ai l'impression de ne pas être seulement une belle fille. Surtout sur eux-mêmes. Je voudrais seulement qu'elle soit fière de moi. Laisse mes amis tranquilles. Quand la mère de Mal devient dragon et qu'elle la change en lézard, c'est décidé. Je choisis le bien, les amis. Dans Descendants, on laisse le spectateur au moment où on nous voit heureux à Auradon. Seulement 6 mois plus tard, on dirait que les choses ont changé. C'est la scène d'intro du nouveau film. On chante Ways to be Wicked et on distribue à tout le monde des pommes empoisonnées. C'est tellement cool comme entrée en matière parce que c'est si inattendu. On est là... quoi ? C'est exactement comme ça que j'avais imaginé qu'on reprendrait l'histoire. En fait, c'est super rock'n'roll comme moment. On danse tous dans le jardin, il y a une super choré avec des hordes d'enfants d'Auradon qui sont comme zombifiés derrière nous quatre. Perso, j'ai adoré tourner cette scène. Tout est folie et chaos, et le mal domine le monde à cet instant. Dans Descendants, mon personnage préféré, c'est Evie. Elle est super stylée et elle est unique, elle a un talent bien à elle. Je suis trop contente, on y va? J'ai un créneau essayage à 3 heures, qui prend moi? Désolée. Parfait, je m'occupe de toi plus tard. J'adore Evie dans ce deuxième volet. Je l'adorais déjà dans le premier. On lui a toujours appris qu'elle avait besoin d'un garçon pour être heureuse. Et dans ce film, elle vit son rêve, c'est une créatrice de mode et une femme d'affaires. Quand je te regarde, il n'y a qu'un mot qui me vient en tête, fausse fourrure. Elle crée les tenues de tout le monde, donc elle est dans son élément. Mais elle crée aussi les siennes. Je suis officiellement Evie. Elle est épanouie. On va tourner. Je me demandais si t'avais aimé le gâteau aux carottes hier soir. J'ai pris la tarte aux poires.
Oh, cool. Ouais. Salut, je suis sur le plateau avec Cameron. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le personnage de Carlos? J'aime le fait qu'il soit intelligent. Je trouve qu'il a de l'esprit. Ouais, il est malin. Ouais, c'est un petit malin. N'en dis pas plus. Jim! Dans ce volet, Carlos craque pour une fille. Comment devenir un peu plus qu'un ami? Camarade est un peu mon bras droit. Je te vois lire par-dessus mon épaule. Tu trouves pas qu'on a un air de ressemblance? Je fais ma tête de chien. Un air de ressemblance? Vous avez remarqué leur veste? À sortir ses vêtements à ceux de son animal? Bien, camarade. Les chiens sont les meilleurs acteurs, c'est clair et net. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est te faire passer pour moi. Vous êtes prêts à ce qu'on vous fasse encore fondre? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton personnage? Il est physique, il est très athlétique, il est à fond dans le sport. Vas-y, Jay! Je mets la pâtée à Jay dans ce tournoi. Dans ses rêves. Jay a évolué, maintenant il incarne vraiment la figure du grand frère. C'est la personne la plus gentille avec laquelle j'ai jamais travaillé. Les enfants des méchants sont plus proches que jamais, leur amitié est plus solide. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Ils forment une vraie famille maintenant. Avoir des amis aussi proches qui s'entraident et tout ouais, ça. Ouais, on s'entraide, c'est important. Je suis tellement contente de tourner Descendant 2. Je suis à côté de Dom. Et je suis à côté d'Anna. Qu'est-ce qui se passe? On me demande toujours ce que ça fait de jouer un rôle de méchante. Moi, ça me plaît. Tout va bien. Je fais peur aux enfants. Dans Descendant 2, on est tout de suite plongé dans le drame. Tout le monde veut que je sois une sorte de princesse et je sais absolument pas comment continuer à jouer ce rôle. Y a pas un seul moment où Mal se sent surpuissante. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est une des meilleures interviews que j'ai faites. T'es génial.